Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Encore une fois, les Juifs ne sont pas d'accord entre eux à cause des paroles de Jésus. Parmi eux, beaucoup disent « Il a un esprit mauvais en lui. Il est fou. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez ?» Mais d'autres disent « Un homme qui a un esprit mauvais ne parle pas de cette façon. Et un esprit mauvais ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles. » C'est la saison froide. À Jérusalem, c'est la fête de la dédicace du temple. Jésus va et vient dans le temple, le long des colonnes de Salomon. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent « Tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. » De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors, il leur dit « Devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Ils lui répondent « Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. » Jésus leur dit « Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. » Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Moi, le Père m'a choisi et il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, je suis fils de Dieu. Mais vous, vous dites que j'insulte Dieu. Pourquoi donc? Si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi, ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Alors de nouveau, ils cherchent à arrêter Jésus, mais il leur échappe. Jésus retourne de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait au début. Jésus reste à cet endroit. Beaucoup de gens viennent le trouver et disent « Jean n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il a dit de Jésus, c'était vrai. » Et là, beaucoup de gens croient en Jésus. Fidèle à leur appel, sert Dieu. Dans le trans, libre de toute chaîne, s'offrant le front dans la soupe.
sans haine. La foi pour bouclier le combat qu'avec elle. Le respect renverse les plus hautes murailles. L'ennemi n'est pas taille. La victoire est nôtre dans les plus hautes batailles. Par la lame qui s'emmenant, les sentiers qui s'amusent. La victoire est en un seul nom. Satan fait mes pieds. Mais est-ce pour mes prières qu'à la douleur profonde il expire sous mes pieds? Je veux célébrer celui que j'aime. Et le diable quitte gay, quitte gay. Vincent, nous serons fidèles, vivre et mourir sous ces lois dans n'importe quel nickel. Quand la voix se voit les comprennent, de tout et comme traîne, c'est là que ma foi s'abreuve à l'entraîne. Christ, c'est mon contrat. Soldats, lance-toi sans murmurer. Au-delà de ces mots contraints, nos pas dans l'empreinte, ses pieds ne pas faire le contraire. C'est là qu'il y a contrainte, fier avance dans la contrainte. Car c'est l'église contrat de nos ennemis, connaît le nom de prêche dans plus de 10 000 contrées. L'esprit affligé, le cœur contrit. Victorieux depuis que je l'ai rencontré, contrime. Pour une âme à conquérir, paisible son empire. Victorieux même à 10 000 contrats. Je veux célébrer celui que j'aime. Plus la victoire est grande, plus passe la pression ou la misère est grande. Contre tous les assauts, nous fait triompher d'avant. Les uns pour les autres, prions avec instance. Je veux célébrer celui que j'aime. Ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur. Nous. La
code. Everybody say,